te demande juste de les descendre. Et alors, toi aussi, tu peux faire des efforts. Ton piano, tu peux jouer tous les jours. Moi, ce match, tu peux le faire max 4 fois par an. J'ai passé une mauvaise journée. Je rentre chez moi. J'essaye de m'éteindre. Ça me casse les couilles. Je vais bouger. Comme tu es à côté de la cuisine, envoie une bière, s'il te plaît. Attends. Allez, pour le président.
là. Allez, viens. Allez. Les lunettes. Merci. Mais bordel, tu peux pas me laisser dormir un peu? Arrête de me saouler là. Je veux qu'on s'explique, Mathieu. Mais s'expliquer sur quoi? Je t'ai déjà dit que tu étais parano, je couche avec personne. Même pas avec toi. Eh, je suis fatiguée, je passe mes journées au travail. Ah, et moi, comme je fous rien, je suis juste un gros fort qui fout rien de ses journées, à part se taper ses voisines, c'est ça? Ça me sent, tu l'as pas fait. Et c'est mon maîtresse. C'est ça, vous trouvez ta maîtresse? Bon, tu sais quoi? Ok, t'as raison, je te trompe. Avec la voisine Dio, tu sais, la vieille mégère qui peut amener le mot. Et la concierge, et ta mère, c'est bon, satisfaite, est-ce que tu voulais? Ne bouge pas. Oh non. Et une demande.
rendue aveugle. Un accident. Vous avez dû vous trouver bien bête quand votre tentative a échoué. Mais le ciel a été clément. Mon pauvre âme a perdu la vue et n'aurait jamais pu savoir. Il faut une meurtrière pour reconnaître le plan. Pour aller la tuer? Je ne voulais pas le tuer. Se demeurer à des grands bonnets. Allons. Ne vous débattez pas. Je ferai en sorte que vous ne soyez pas trop. Attendez! C'était une riche héritière. Et c'est à moi que toute sa fortune allait être léguée. Vous n'aurez qu'à dire à la police qu'Emilie et votre mari avaient une liaison, qu'elle l'a menacé de tout vous dire et dans la panique, il l'a liquidé. C'est un peu bancal pour l'instant, mais on va s'en sortir et on sera bien. Je pourrais m'offrir une nouvelle vie. Oui, soyez raisonnable, Alessandra. Bon, très bien. Je veux la preuve que vous êtes la bénéficiaire de toute sa fortune. C'est pas seulement un prétexte pour vous échapper, mais vous irez à la police. Tout est chez moi, je vous montre ça tout de suite. Non, c'est juste que tu n'imaginais pas ça comme ça ici.